Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mister Gadget. Alors, ce matin, on est à la maison, on est en train de préparer toutes les affaires pour aller faire du drone. Donc, on se met en mode vlog aujourd'hui et puis on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti! C'est Mister Gadget! Le sac est prêt, donc on a toutes les affaires, on a toutes nos affaires pour faire un bon trip en drone. Donc nous allons partir pour le premier point qui se trouve au pont canal en bas de Béziers. Voilà les amis, on est sur zone pour faire du drone. La zone que j'ai choisie, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est la zone où c'est qu'il y a pas mal de ponts sur l'Orbe en bas de Béziers, dont le pont canal qui fait partie du canal du Midi. Donc on va voir ça, mais avant de faire ça, je vais vous faire un petit un panorama vidéo de la zone où c'est qu'on est. On voit ici une plaine du bord de l'Orbe. Voilà, on voit bien le pont routier, le pont de l'Occitanie. Derrière le pont d'Occitanie, vous avez le pont canal où le canal du Midi traverse l'Orbe. Et puis voilà, donc on va faire toute cette zone. Voilà, sachant que vous avez la cathédrale aussi un peu plus loin, la cathédrale de Béziers. Donc sachant que ici on est en zone verte, on a le droit de voler à 50 mètres d'altitude. Et puis on n'a pas le droit d'aller au-delà de la rive opposée.
on vient de faire 10 minutes de vol avec une petite frayeur parce que j'ai eu une perte de signal à cause des arbres sur le Grand Canal. Ça a déclenché le retour automatique. Heureusement qu'il y a cette fonction. Donc je me suis fait une petite frayeur, mais bon, rien de grave. Donc là, on va continuer notre périple, faire un peu de randonnée. On va faire 1 à 2 km à pied et on va se rendre sur le site des 9 écluses de Fonsorane. Sur le site des 9 écluses de Fonsorane. Donc voilà, on est en bas du site. Voilà le site de Fonsorane, les 9 écluses. Donc vous avez un site qui est aménagé, optimisé pour le tourisme. Nous, on va essayer de monter à cet endroit-là, de se mettre en hauteur vers ce pont pour essayer d'avoir une zone dégagée avec le drone pour ne pas être embêté avec les arbres ou quelques obstacles, quoi que ce soit. Allez, c'est parti. Voilà, ici, on a une superbe vue sur le site. Je vais vous faire voir l'autre côté où on voit le système d'écluses qu'ils avaient mis en place dans les années 60-70 et qui n'a jamais marché. Voilà, c'était un système d'ascenseur de péniche qui devait prendre la place des 9 écluses et au final ça n'a jamais marché. Mais je crois qu'on est pas loin d'avoir trouvé la zone idéale pour faire du drone.
les amis, on vient de faire de belles vidéos sur de beaux shootings sur le site des 9 écluses à Fonsorana. Et donc maintenant, on va partir sur le site de la tour de Montali. C'est raide, on va monter ces escaliers. Donc voilà, allez, c'est parti. Voilà, enfin le sésame attendu à tout le monde. Tour médiéval, hein.
Voilà, on a terminé avec ce spot de la tour de cette magnifique tour de Montady, tour médiévale. Donc, on va aller au prochain spot qui est en face, en fait, et c'est l'oppidum dans ses ruines. Bon, voilà, on est arrivé à Colomiers, pas loin du site de l'oppidum dans ses ruines, mais le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir à côté, voilà. Il y a un panneau de route barrée, donc on ne peut pas y aller en voiture, on va y accéder autrement. Allez. Voilà les amis, je me suis posé au milieu d'un champ. Voilà, je pense qu'on ne va pas pouvoir prendre des prises de vue de l'oppidum parce que il est encore quand même assez loin. On va essayer de s'en approcher parce qu'on est dans un terrain dégagé. Et puis normalement, dans le point de vue, on est à l'opposé de la tour où c'est qu'on était tout à l'heure, à tout droit Montady, donc on devrait le voir. On devrait la voir aussi lors des prises de vue. Bon les amis, voilà donc le dernier spot de vol de drone à Colombie à côté de l'oppidum dans ses ruines, ça a été écourté parce que j'ai pas pu envoyer le drone à plus de 20-30 mètres de moi que j'étais attaqué par une bande d'hirondelles. Donc apparemment ils doivent nicher dans le coin, donc le souci c'est ça, c'est que quand ils voient des drones, les oiseaux ils prennent soit ça pour un prédateur, soit pour une proie. Donc là, ils ont pris ça pour un prédateur. Donc j'ai préféré ne pas lancer le drone trop loin. Voilà, et j'ai pas pu faire les images que je voulais. Mais c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Bon les amis, voilà, on se retrouve 2 jours plus tard par rapport au tournage qu'on a fait et que vous venez de voir. Et donc je vais vous dire ce que je pense de ce joli petit appareil. Qui est tout mignon, hein. Donc ça donne envie. Alors ça peut faire penser à certains que c'est un jouet, mais c'en est pas un, hein. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est quand même un objet qui a une certaine dangerosité. Il faut savoir qu'en France, la législation ne permet pas à un enfant de moins de 14 ans de piloter ce genre d'appareil. Et pour avoir essayé, c'est vraiment pas un jouet, hein. Donc, si vraiment, vraiment on fait n'importe quoi, on peut vite blesser quelqu'un. Donc, il faut faire pas mal attention. Moi, ce que j'ai choisi comme endroit, c'est des endroits assez dégagés. Même s'il y a souvent des arbres, on peut pas non plus trouver que des endroits sans arbres. Donc, j'ai essayé de trouver des beaux endroits. Deux, trois endroits à côté de chez moi pour vous montrer un petit peu comment j'évolue dans mon début d'apprentissage de pilotage. Donc, il faut savoir que j'ai à peu près 4 heures de vol pour l'instant. Donc, j'ai parcouru à peu près 35 km avec mon drone. L'application est très bien faite pour ça. Donc, elle vous tient à jour de toutes les statistiques que vous faites avec votre drone, l'application DJI Fly. Donc, de ce côté-là, c'est très très bien. Moi, ce que je pense, c'est que c'est très bien de découvrir. Pour certains, ça ne sera pas leur truc, mais pour ceux qui veulent essayer le pilotage d'un drone de loisir, c'est super. Donc, on redécouvre un peu toutes les régions de chez nous, en fait, hein, que ce soit chez moi, chez vous. Donc, on se réapproprie le paysage qu'on fait plus attention. Tous les jours parce qu'on passe justement devant tous les jours et le fait d'avoir une autre perspective en hauteur avec de l'altitude, eh bien on redécouvre des paysages, des monuments qu'on ne fait plus attention au quotidien. Donc pour ça, c'est super. Après, ça c'est un drone de loisir, hein. C'est les premières catégories. Donc, les catégories en dessous de 250 grammes. Il faut dire que maintenant, on est obligé d'immatriculer tout drone, même les drones de loisirs, hein, vous voyez.
Donc, moi, j'ai un petit numéro scotché sur le côté, comme me demande ben, écoutez la loi. Donc, les nouvelles normes, c'est ça, c'est-à-dire on vous donne une sorte de carte grise maintenant. Ce n'est pas une carte grise, mais c'est un signalement du drone, ce qu'il peut faire et tout ça. Et donc, à travers le site Alpha Tango, vous pouvez enregistrer votre drone, c'est obligatoire. Hein. Donc, il faut le savoir. Si vous achetez un drone maintenant, c'est obligatoire de le déclarer. Et donc, ça vous permet justement, quand vous êtes contrôlé, ben, écoutez, il faut présenter comme étant une carte grise aux gendarmes ou autres intervenants. Donc, il y a tout un tas de législation qui a changé depuis le 1er janvier 2021. Mais ça sera notre sujet. On verra si ça vous plaît ce que je vais nous faire en vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez qu'on approfondisse le côté législation pour voir ce qu'on a droit et ce qu'on n'a pas droit de faire avec un drone, soit de loisir ou soit dans une autre catégorie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, donc moi je vois que des avantages à faire ça. Donc le fait d'être un petit peu encadré par la législation, c'est bien parce que ça va éviter à tout le monde de faire un peu n'importe quoi. Parce qu'on voit des fois dans des vidéos de YouTube, les gens qui lancent les drones à tirer l'arigot, des tests de portée, c'est bien de le savoir. Mais bon, si ça tombe dans la mer, c'est pas très grave. C'est juste un petit objet. Ça va pas faire trop de dégâts supplémentaires dans la faune. Mais si c'est en zone urbaine, ben, ça peut tomber sur quelqu'un et faire de gros gros dégâts. Voire, ben, ça peut tuer quand même quelqu'un. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, pour moi, l'a priori est très bon du pilotage de drone. Si vous avez envie d'essayer. Ben, moi, je vous y encourage parce que vous allez découvrir vos paysages à côté de chez vous dans une autre perspective. Et donc, ça va être quelque chose de très sympa. Donc, voilà. Donc, pour moi, vous avez compris que c'est tout positif. Voilà. C'est un drone qui est très facile à prendre en main, ce DJI Mini. Donc, moi, je l'ai pris parce que il était bradé actuellement à cause de son successeur, le Mini 2, qui a pris sa place. Donc, DJI a eu la bonne idée de le laisser au catalogue et de le faire à 399 € avec le pack combo. Donc, le pack combo, c'est quoi? Vous avez le chargeur, trois batteries avec. Vous avez des protections d'hélice en cas si vous voulez faire du pilotage en intérieur ou dans une zone très. Très arboré avec beaucoup d'obstacles, donc vous pouvez le faire. Et puis aussi, vous avez la télécommande qui est avec, c'est normal. Et puis, vous avez aussi dans le pack combo des hélices supplémentaires en cas si vous faites des erreurs. Donc, quand vous regardez bien, moi, les premiers vols que j'ai fait, je n'avais pas de zone d'atterrissage, donc je m'en suis fait une. Donc en carton, parce que je trouvais que c'était un peu cher de faire des petites zones d'atterrissage de 30 par 30 ou voire 40 par 40, et de vendre ça entre 30 et 40 €, je trouvais ça un peu excessif. Donc je l'ai fait moi-même avec des cartons et je me suis fait une zone d'atterrissage de près d'un mètre sur un mètre. Donc je me la suis fait pliante. Donc voilà, avec des cartons c'est très simple à faire et je trouve que c'est un bon compromis. J'aime pas mettre de l'argent un peu pour des choses qu'on peut faire soi-même. Donc mais ça vous le savez déjà. Donc voilà, donc pour moi, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos qui vont arriver. Donc, il y en a une qui va être en préparation parce que le tournage vient d'être fait ce matin sur le paddle. Donc, voilà, c'est un petit truc sympa que j'ai fait. J'aurais pu la faire au début de l'été, mais il y avait trop de monde. Et puis là, comme tout le monde est rentré chez soi, donc c'était plus facile à faire ce genre de vidéos sans être embêté par qui que ce soit. Donc, je vous ai fait ça et c'est dans les jours qui viennent que vous pourrez voir cette vidéo sur le paddle. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me retrouver pour d'autres épisodes. Pour moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et puis à une prochaine. Allez, ciao, ciao!